Tu dessines quoi, Célestine? Un ours. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est une souris. Et ça, c'est son ami. Bon, il est raté ton dessin. Bah non, il est pas raté. Si, il est raté! Mais non. Mais si! Mais non. Mais si! Un ours et une souris, c'est pas possible! Et puis... Chut! Bon, qu'est-ce que je vous raconte ce soir? Le grand méchant ours. Oui, le grand méchant ours. En hiver, le grand méchant ours dort. Et quand il se réveille... Quand il se réveille, il a faim. Tout juste. Et quand il a faim... Il peut manger n'importe quoi. Absolument n'importe quoi. Des pneus, des lampes, des vélos, des voitures, des maisons. Quand il a faim, il bouffe. Il mange absolument n'importe quoi. Et dans ce n'importe quoi, qu'est-ce que le grand méchant ours préfère? Une petite souris. 10, 100, 1000 petites souris. En papillote, en brochette, à la poêle, en courbouillon, et même toute crue. Toute crue? Surtout toute crue. Et toutes vivantes, avec leurs petits manteaux et leurs petits sacs à dos. C'est comme ça qu'ils les préfèrent. Toutes crues et toutes vivantes. Mais vous êtes sûr qu'il est si méchant? Connais-tu l'histoire de la petite souris qui ne croyait pas au grand méchant ours? Tout le monde lui disait « Méfie-toi du grand méchant ours !» Mais elle faisait la maline, cette sale petite, cette pauvre petite conne, cette coquine. Elle n'y croyait pas au grand méchant ours. Elle disait... Mais non, le grand méchant ours, c'est une histoire pour endormir les petites souris de l'orphelinat. C'est une histoire de la grise. C'est une histoire que la grise nous racontait en buvant son éternelle camomille. Mais elle se trompait, car un jour, un pou... C'est toi qui as fait ça, Célestine? Croyez-moi, les enfants, c'est dans les contes que les ours sont amis avec les fourris. Si jamais... Vous avez pensé qu'un ours sera gentil avec vous. J'en sais rien. Qu'est-ce que tu dis? Vous, on écoute. Parce que tu comprends quelque chose. Parfaitement. N'importe quoi, tu comprends rien. Moi, je comprends rien. Même quand on comprend, tu comprends rien. Répète. Même quand on comprend, tu comprends. Oui, nous. Ah, je suis. Silence.
Retournez dans vos lits! Vous attendez! Retournez dans vos lits! Tout de suite! Allez, arrêtez de secouer les oreillers! Arrêtez, j'ai dit! Je vous préviens! Ça va finir mal si vous continuez comme ça! Mais cerise, descends immédiatement de cette armoire, tu m'entends? Et ne criez pas comme ça. Bon, je vous préviens, vous allez être privé de dessert demain. Jean-Albert, posez cet oreiller tout de suite. Sinon, mais est-ce que quelqu'un m'entend ici? Si c'est comme ça, je ne vous raconterai plus l'histoire du grand méchant ours. J'ai faim. Gentil piou-piou, viens ici, mon petit piou-piou, viens ici, mon petit piou-piou. Ah, reviens ici, sale bête.
Christine. C'est bon, on peut y aller. Bon, vas-y, dépêche, j'ai pas que ça à faire, moi. On y va. Regarde, Lucienne, regarde. Léon a perdu sa première dent. Oh, le pauvre chéri. Et pas une trace de sucre, hein. Une vraie perle. Oh, ne pleure pas, mon chéri, ce n'est pas grave. Je vais mettre ta dent sur la table de nuit et la petite souris va passer. La petite fourrie ? Quelle petite fourrie ? La gentille petite souris des contes. Elle va passer quand tu dormiras et va prendre ta dent et la remplacer par une belle pièce. Une pièce de combien ? Une grosse pièce ! Ta première affaire ! Le début de ta fortune ! Si tu sais, bien entendu, opérer des placements judicieux. Mais j'en avais jamais entendu parler de la petite fourrie des contes. C'est parce que tu n'avais encore jamais perdu de dents. N'importe quoi. D'abord, tu fais une fourrie de contes, elle n'existe pas. Ah non. Et comment est-ce qu'elles disparaissent, les dents, alors? Bon, allez, le mieux c'est que tu dormes. Comme ça, la souris pourra venir prendre ta dent et la remplacer par une belle pièce. Oui, mais une pièce de combien? Un sou. Deux. Ah, c'est bien. C'est mon gamin, ça. Georges, une souris. Une souris? Où ça? Là-bas, là-bas, dans les peluches. Ah non, hein, pas de ça ici. Sors de là tout de suite. Va-t'en de là, pas de souris ici. Oh, oh Georges, fais quelque chose! Sale bête! Sors-la d'ici, Georges! Où est-ce qu'elle est? Elle est là! Sors de là! Viens ici, sors de là, sale bête! Elle est là, je la vois, je la vois! Non! Oh. Oh. Hé, hey, ma dent! Et mon sou! Hey, donne-moi mon sou! Oh, saleté de bestiole! Aïe, ton de Dieu! Chut! Moins de bruit, Georges! Il y a le petit qui dort! Georges, poubelle. Aïe, ton rôti de chute.
J'ai faim! Ah oui, mais j'ai faim, moi. Comment tu t'appelles? Ernest. Ah. Moi, c'est Célestine. Il faut qu'on parle sérieusement, Ernest. Tu peux pas me manger. C'est dans les contes que les ours mangent les souris. Me dis pas que tu crois aux contes, Ernest. T'es pas un ourson débile. Bah oui, mais j'ai faim. T'as faim. Et tu crois que c'est une petite souris comme moi qui va te rassasier? Non, mais regarde-moi, Ernest. J'ai que la peau sur les os. Et puis c'est très mauvais pour ta santé de manger dans les poubelles. Il y a toutes les maladies du monde dans une poubelle. Il y a la grippe, le typhus, l'hépatite, le choléra. Ernest, tu veux attraper toutes les maladies du monde? Bah non, Célestine, mais... Fais voir. Très froid et humide, l'œil vitreux, le poil terne. Comment sont les oreilles? Oh là là. Et les dents? Ah, oh là là. Quoi? Je suis malade? Pas encore, mais ça va venir. Écoute, Ernest, je connais un endroit où tu vas te refaire une santé en mangeant tout ce qui est bon pour toi. Les chamallows? Des chamallows, des roux-doudous, des nougats, des berlingots, des pâtes d'amande, des guimauves, d'accord? D'accord. Et c'est loin? Juste là. Oh là 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 là. Tu n'as qu'à te servir, Ernest. Attends! Et voilà. Bon appétit. Célestine, merci, hein. De rien. Hein? Yeah! Elles sont belles, mes brosses à dents, elles sont belles! Fil dentaire, il est fin, mon fil dentaire! Fil dentaire, il est fin, mon fil dentaire! Il est dentelé, il est dentaire! Et un, et deux, et un, et deux, et un, et deux, et un, et deux, et trois, allez, du nerf! Et un, et deux, et un, et deux, et un, et deux, et deux!
est chaude, ma fondue, elle est chaude, on dit goûte, on y goûte, on en profite, là. Hé hey, fais gaffe où tu mets les pieds, sale gosse. Désolé, monsieur, je suis pressée. Ça n'a pas encore commencé. Ils nous ont dit d'attendre ici. Ça sent la poubelle ici, non? On se dépêche, ou le grand méchant ours va venir vous manger. J'en ai marre de ce stage. Tu as récupéré combien de dents, toi? 7. Pas terrible. Moi, j'en ai 12. 12? Bof. D'habitude, je fais mieux. C'est loin d'être mon meilleur score. Oh, bah quand même. Et toi, Célestine, t'en as combien? Moi? Eh ben... Arrêtez-vous là. Avancez. Voilà, madame. 12 dents. C'est bien. Oh, mais je peux faire mieux. Au suivant. 7 seulement? Oui, mais 3 incisives. Et visez la qualité. Incisive? Je suis preneur. Celle-ci est trop courte. Merci. Essayez celle-ci. Répétez après moi. Le grand méchant ours marche sur nos têtes. Le grand méchant ours marche sur nos têtes. C'est pas encore ça. Et maintenant? Le grand méchant ours marche sur nos têtes. Vous permettez? Essayez maintenant. Le grand méchant ours. Stop! Allez-y, le grand méchant ours. Le grand méchant ours marche sur nos têtes. Et voilà, le doigté, mon cher. Le doigté. Quoi? Une seule dent? Toute la nuit et une seule dent? Pas ma faute, j'étais coincée dans une poubelle. Ah ouais? Et comment tu t'en es sortie? C'est un ours qui... Un quoi? Non, rien. Et peut-on savoir ce qu'il y a dans ce sac? Alors voilà à quoi tu passes tes stages, Célestine. Tu dessines au lieu de récolter. Ça n'est pas comme ça que tu deviendras dentiste. Je veux pas être dentiste. Je vois ce que c'est. 50 dents de retard, Célestine. Tu as perdu trop de points. Tu as besoin d'une petite séance de motivation. Viens avec moi. Vois-tu, Célestine, nous autres, les rongeurs, nous ne sommes pas des ours. Notre force ne dépend pas de notre masse, de nos muscles, de nos griffes, de nos terribles mâchoires. Non! Non, nous sommes des êtres délicats, subtils, raffinés. Toute notre civilisation,
Tout ce que nous avons réalisé à travers les siècles, nous le devons à quoi ? À quoi ? À quoi le devons-nous ? À nos incisives. À nos quoi ? À nos incisives. Nos incisives. Tout juste. Elles sont le fondement de toute notre société. Grâce à elles, nous avons pu ériger les plus grandes cités, ronger les rochers les plus imposants, tailler les plus belles maisons, bâtir les machines les plus compliquées. Nous avons détourné les plus grands fleuves du monde. Et tout cela grâce à nos mignonnes, nos précieuses, nos délicates, nos inestimables, nos parfaites, nos tranchantes incisives. Mais qu'arrive-t-il, Célestine, si par malheur un rongeur perd une incisive ? Il meurt. Il agonise dans des souffrances abominables. Il ne peut plus ni manger ni parler. Il meurt, tenaillé par la faim et rongé par la solitude. Je reprends tout à zéro, Célestine. Quelle est la meilleure dent où l'on puisse retailler l'incisive du rongeur édenté ? La dent d'ours. En effet. C'est celle de ces ursidés qui s'avère la plus solide. Et la dent la plus facile à récolter, celle que ces petits crétins d'oursons laissent sous leurs oreillers. Alors, Célestine, tu vas remonter là-haut et chercher d'autres dents chez ces petits idiots. Mais tu ne redescendras pas ici, Célestine, tant que tu n'auras pas récupéré 50 dents. 50 dents, Célestine. Bon courage, Célestine. Bon, alors tu viens ? Bonjour, bonjour les enfants, vous allez bien ? Oui ! Moi je voudrais un gâteau à la crème. Oui, un gâteau à la crème. Oui, je voudrais un paquet de bonbons. Oui, un paquet de bonbons, oui, 5, 6, 7 et des chamallows. Oui, 5, 6, 7 et des chamallows. Une sucette à la fraise. Et une sucette à la fraise. Un paquet de guimauves. Un paquet de guimauves, ça marche. Des sucres d'orge. Oui, voilà, voilà, des sucres d'orge. Une glace au citron, s'il te plaît, papa. Et une glace au citron qui marche. Hein ? Attends un peu. Viens par ici. Pas de sucreries, Léon. Je te l'ai déjà dit 100 fois. Jamais. Mais papa. Y a pas de mais papa. Je t'interdis le plus petit morceau de sucre. Tu veux que tes dents tombent dans tes poches? Tu veux finir la boutique d'en face, là-bas, chez ta mère, hein? Avec les dents toutes pourries, c'est ça? Allez, file maintenant. On en reparlera ce soir. Monsieur Rancenet, bonjour! Comment ça va aujourd'hui? Ça va, ça va. Et il me faudrait une dent pour que je puisse manger mon nougat. Mais bien sûr! Que vous faut-il? Une incisive? Une canine? J'aurais besoin d'une prémolaire. Laissez-moi réfléchir. Ah! Voilà! J'ai exactement le modèle qu'il vous faut. C'est une prémolaire de première qualité. Essayez-la. C'est parfait, merci. Et voilà, mon petit bonhomme. Et toi, mon petit lapin, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Des sucres d'orge? Des barbes à papa? Des bonbons colorés? Vous avez des chamallows? Des chamallows, oui, bien sûr. Oh, ben j'en ai plus. Oui. Non, ne pleure pas, j'en ai encore plein la réserve, ne pleure pas. Ne bouge pas, je reviens. Je reviens tout de suite. Ah! Qu'est-ce que vous foutez là? Voleur! Voleur! Vol! Oh! Il casse tout! Il casse tout! Alors, non, revenez ici! J'appelle la police! J'appelle la police immédiatement! Oh voleur! Oh voleur! Police! Ernest? Police! Mes chamallows! C'est mes chamallows! Police! Police! Oh voleur! Il m'a volé
C'est lui, ici, là, là. Qu'est-ce qui se passe encore? Mais c'est Ernest. Ce matin, tu nous cassais les oreilles, et maintenant tu cambrioles. Mais comment t'as fait pour rentrer ici? C'est une petite souris qui... Une petite quoi? J'avais faim et ça sentait bon, voilà. Bon, allez, on l'embarque. Rentre là-dedans, on dit. Mais tu vas rentrer, oui? Y a plus de respect pour les honnêtes commerçants. C'est honteux. Allô, la centrale? Une grosse prise ici. Psst, Ernest, tu veux que je te libère, Ernest? Et si je te libère, tu me rendrais un petit service? Et un grand service, Ernest. Si je te libère, tu me le rendrais? Un énorme service, Ernest. Si je te libère, tu me rendrais un énorme service. Le plus grand service du monde? Oui, Célestine, le plus grand service du monde. Tu veux encore des petits pois, mon poussin? Non, je veux des bonbons. Voyons, Léon, tu ne vas pas recommencer. On t'a déjà expliqué 100 fois que tu ne peux pas manger de bonbons. Mais pourquoi? Ça, mon garçon, c'est le commerce qui veut ça. D'un côté de la rue, papa pourrit les dents. Et de l'autre, maman remplace les dents gâtées. Et quand tu seras grand, les deux magasins seront à toi. Ce qui veut dire que tu feras 2 fois fortune, mon bonhomme. À condition de sourire à la clientèle, bien sûr. Et comme disait mon vieux père, la beauté du sourire, c'est la santé des dents. C'est simple, Léon. Pour faire fortune, c'est les dents des autres qu'il faut sucrer, pas les tiennes. Tu as compris? Ouais. Bon, demain je dois me lever tôt. Alors tout le monde au lit. Le livreur vient remplacer ce qu'Ernest a mangé. Il a tout bouffé, d'ailleurs. En tout cas, c'est pas dans mon magasin que ça arriverait, ce genre d'histoire. Ah, qui aurait l'idée de voler des dents? Par ici, Ernest. Dépêche-toi. Voilà, c'est ici. C'est dans ce magasin? Oui. Bien. Arrête! Mais tu fais trop de bruit, fais-le plus doucement. Arrête plus doucement, tu vas réveiller tout le monde. Et voilà. Ernest, attends. Bon, elles sont où tes dents? Attends, il doit y avoir un coffre où il les range. Tiens, c'est pas ça là-bas? Oui, c'est ça. Attends, je vais crocheter la serrure. Non, laisse, je m'en occupe. T'en occuper. Mais comme... Non, Ernest, non. Ernest, non, mais c'est pas comme ça qui... Ernest, arrête ça de... Ça y est, c'est ouvert. Ernest, mais t'es pas fou, non? Bah quoi, c'est ouvert, non? Ernest, je pourrais jamais porter ça toute seule. Oh non, mais j'ai sommeil, moi. Ah non, Ernest, tu as promis. Bon, après, on est quitte, hein. Tu me demanderas plus rien. On est quitte.
Attends, je vais voir s'il n'y a personne. C'est bon, tu peux sortir. Ernest, attends! L'ours, ça se couche tôt, Célestine. Hein. Surtout en hiver. Hein. Célestine, je t'avais interdit de redescendre dans ta... Oh, Célestine! Mais c'est incroyable! Mais c'est fabuleux! Mais regardez-moi ça! Mais regarde! Mais comment as-tu? Mais comment as-tu? Oh, bravo, Célestine! Ah, je suis fier de toi! Allez, vive Célestine! 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 Le grand méchant ours. Ernest? Célestine, tu connais cette c'est toi qui l'as introduit ici? La voilà, celle qui ne croyait pas au grand méchant ours. Tout le monde lui disait, méfie-toi du grand... Fuyez! Il va nous dévorer! Célestine, je... Là, il est là-bas. Non, Ernest, par là. Oh, pardon, désolé. Excusez-moi. Ernest, il faut que tu rejoignes la sortie par ce tunnel là-bas. À gauche, Ernest, à gauche! Oh, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. J'avais tout bien fermé. Mais c'est une... Ernest, regarde! Une catastrophe. Que vont dire les gens? Pourtant, j'avais fermé le magasin à clé. Et mis le verrou. C'est une catastrophe, monsieur. Vous l'avez déjà dit. Et je suis sûre que j'avais bien fermé. Une souris dans le camion de mon mari. Ernest, arrête-toi, reste là. Ernest, sors de là immédiatement. Sors de là, je te dis. On va pas te laisser filer comme ça. Ouvrez-moi cette porte.
Mais qu'est-ce que t'as fait, Ernest? Qu'est-ce qui t'a pris de rester en bas? T'es devenu fou? Je me suis endormi, c'est pas ma faute, quoi. Et c'est la mienne, peut-être? Parfaitement, il fallait pas me faire descendre. Je ne pouvais pas porter ce sac toute seule. Il fallait me raccompagner jusqu'à la sortie. Tu m'as dit que tu la retrouverais. J'ai dit ça, moi. J'ai dit ça. Ernest, rends-toi! Tu pourras pas t'échapper! En avant! On le tient! Range-toi sur le bas-côté! Ok, si vous insistez. Oh, on te lâchera pas, Ernest! Faites gaffe aux lampadaires, quand même. Aux lampes... Oh! Ernest, abandonne! On te lâchera pas! Bon, ben, je vous laisse, hein. Je vais à droite. Et voilà. Bon ben, salut Célestine. Comment ça, salut Célestine? Tu es arrivé chez moi. Et moi alors? Toi? Moi, je sais pas. Moi, j'arrive chez moi. Toi, tu rentres chez toi. Mais Ernest, j'ai plus de chez moi. T'as bien vu, ils m'ont chassée, maudite même. Célestine, on est quitte. Toi qui l'as dit, non? Tu m'as libéré, et en échange, je t'ai rendu le plus grand service du monde. Voilà. Maintenant, on est quitte. Quitte, quitte! Mais la situation a changé, Ernest! Pas de souris dans une maison. Ernest, il faut qu'on parle. Rien du tout. Pas de souris dans une maison, jamais. Tu en acceptes une, il en vient 1000. Vous êtes comme ça, vous autres. Tous les ours te le diront. Allez, hop! Hop! Mais Ernest! J'ai dit pas de souris dans une maison, jamais! Ah. Mais Ernest, il faut que tu comprennes. Ah, pas de souris dans une maison! Mais... Pas le mais! Ernest, tu... Rien mais du tout! Enfin. Pas de souris chez moi. Ah! Dehors! Oust! Merci bien. Célestine, je t'ai... Impossible de se débarrasser d'une souris, Ernest. Ça aussi, tous les ours te le diront. À moins de la tuer, bien sûr. Ton chocolat brûle, Ernest. Oh. Tu veux me tuer, Ernest? Avec un balai, c'est impossible, je suis trop rapide. Alors tu peux utiliser le vieux truc des tapettes. C'est pas facile non plus, on connaît très bien, nous autres, le coup des tapettes depuis le temps, tu penses? Tu as aussi le poison, bien sûr, ou la plaque collante. Très très cruelle, la plaque collante. La pauvre petite souris marche dessus et ses quatre pattes restent collées. Rien à faire, alors elle a très peur. Son cœur se met à battre à toute allure, si vite qu'il explose. C'est ça que tu veux, Ernest? C'est me faire exploser le cœur? Mais non, Célestine, mais un ours et une souris, ça peut pas... Enfin, c'est pas... C'est pas quoi? C'est pas convenable? Ça se fait pas? Les ours en haut et les souris en bas, c'est ça? Eh ben oui, depuis toujours, c'est comme ça. D'accord, Ernest. T'as une cave? Ben oui, j'ai... Ok. Alors, moi, à la cave. Et toi, ici? Mais... Y a pas de mais. Salut, Ernest. Et tu restes en haut, hein? C'est toi qui restes en bas, Célestine! Je ne veux ni te voir, ni t'entendre! Ah. Mon chocolat!
La voilà, la voilà, celle qui croyait pas au grand méchant ours. Tout le monde lui disait, méfie-toi du grand méchant ours. C'est un cauchemar. N'aie pas peur, Célestine. N'aie pas peur. Célestine, c'est pas moi le cauchemar. Et moi, c'est Ernest. Je suis maudite. Maudite, maudite. Qu'est-ce que c'est que ces bêtises? Mais oui, je suis maudite. Je suis seule au monde, personne m'aime et j'ai plus de chez moi. Oh là là, et moi alors? Est-ce qu'on m'aime, moi? C'est toi qui as fait ça, Célestine? Mais c'est magnifique. C'est exactement moi. Une Célestine qui sait faire ça n'est pas seule dans la vie. Tu es une grande artiste. Eh ben justement, c'est pour ça que je suis toute seule. Ils veulent pas que je dessine, ils veulent que je sois dentiste. Ah ouais, je connais bien ça. Je voulais faire du théâtre, moi, et de la musique, et raconter des histoires. Mais non, penses-tu, ils voulaient que je sois juge. Comme mon père, mon grand-père, mon oncle, mon grand-oncle. Va faire ta musique ailleurs, Ernest. Ernest, tu nous casses les oreilles avec tes histoires. Arrête de chanter, Ernest, tu ferais mieux d'apprendre ton droit. Regarde. Non, Célestine, c'est toi qui restes en bas. Je ne veux ni te voir, ni t'entendre. C'est pas un beau tableau, ça? Viens avec moi, Célestine. Prends ton matériel de peinture et viens. On va te faire un atelier, Célestine. Un atelier de peintre, un vrai. Ce sera mon premier vrai tableau. Qu'est-ce que tu vas peindre? Le grand méchant ours, pardi. Là. Bien féroce. Comme ça. Ah. Voilà. Lève le pied. Parfait. Bouge pas, hein, Ernest. Garde ton air féroce. Et je peux voir? Je t'ai dit, faut pas bouger. Ernest? Mais t'es malade? Oh, c'est juste un petit rhume. Au lit, tout de suite. Il faut boire, Ernest. Quand on a de la fièvre, il faut beaucoup boire.
C'est moi, je veux pas. Ernest, Ernest, calme-toi, Ernest. C'est pas moi le cauchemar. Moi, c'est Célestine. Il reste des chamallows? Bien sûr que oui. Tu manges pas tout, hein? Oui, non. Tu me le promets? Promis, Ernest. Hé, hey, Célestine! Célestine, tu sais quoi? Je suis guérie! Yop, là, regarde-moi ça! Ta-da! Tu es sûr que tu peux pas le faire avec quatre? Ah, et tu crois ça? Et hop là, hop là, hop là, et hop là, hop là, hop là, hop là. On recommence, Ernest? Allez, viens! Et c'est ainsi que, convoqué par le président du tribunal, le chef de la police a déclaré que les voleurs étaient toujours activement recherchés et que leur arrestation ne devrait plus tarder. Mmh. C'est une question de jours. Oh, mais non, penses-tu? Ils nous ont déjà oubliés. Nous ne prendrons aucun repos tant que nous n'aurons pas retrouvé Ernest et sa complice Célestine. Et nous saurons les faire sortir de leur cachette. Cela prendra le temps qu'il faudra, des mois s'il le faut. Mais nous les retrouverons tôt ou tard. Leurs crimes ne peuvent pas rester impunis. Une fois que nous les aurons capturés, nous nous chargerons de les livrer à la justice. Ernest sera jugé comme il se doit. Et Célestine aura la punition qu'elle mérite. Les membres du tribunal ont déjà pris connaissance de l'affaire. Et je suis sûr que son jugement sera à la hauteur des crimes abominables de Célestine. Quant à Ernest, il sera jugé avec la plus grande sévérité. La sentence sera irrévocable pour Ernest et pour Célestine. Tu m'as appelé, Ernest? Non, c'est rien, Célestine. Tout va bien. Tout va bien. Qu'est-ce que t'as fait comme progrès, Célestine? J'en ai assez de dessiner le grand méchant ours. Ah oui. Et tu connais un sujet plus intéressant? La neige, Ernest. Je voudrais peindre un paysage d'hiver. Eh bien, il faudra attendre le printemps. Nous autres, les ours, on sait très bien faire ça, attendre le printemps. Au printemps, je pourrai plus peindre l'hiver, Ernest. La neige aura fondu. Célestine veut peindre la neige. Célestine veut peindre la neige. Et maintenant, au travail. Merci, Ernest. Ernest, je te présente l'hiver. En musique, ça donnerait
ça. Célestine ? Ernest, le camion ! Mais quoi, le camion ? Cette tache rouge ! S'ils le voient, ils vont nous trouver ! Il ne te reste qu'une chose à faire, Célestine. Ernest, t'as vu les bêtes ? Ouais, ouais, je les ai vues. Tu veux pas venir les voir de plus près ? Non, non, je les vois bien d'ici. Célestine, allez, viens, on y va. Recherche active, nous ne prendrons aucun repos tant que nous n'aurons pas retrouvé Ernest le voleur et sa complice Célestine. C'est ça, oui. Je répète, ne t'en fais pas, Célestine. Ils ne retrouveront jamais. Cherche toujours activement les deux malfrats Ernest et Célestine et ne prendra pas de repos tant que nous ne les aurons pas retrouvés. Mais qu'est-ce qui se passe ? C'est la petite souris des contes. Léon, retourne te coucher. Georges, va voir ce que c'est. Oh ! Mon camion ! Oh ! Mon magasin ! Qu'est-ce que... De la peinture. Ernest ! Lucienne ! Lucienne ! Appelle la police ! Je sais où est Ernest ! J'ai vu ça quand il est arrivé, c'est le camion. Célestine. Eh ben,
Quel orage hier soir, dis donc. Mais c'est qui grogne, le grand méchant ours? C'est qu'il est pas réveillé, le grand méchant ours. C'est qu'il pourrait me manger, le grand méchant ours. Bonne idée, après ça je pourrais dormir. Alors on va lui donner son petit déjeuner, au grand méchant ours. Ça nous permettra de rester vivante un jour de plus. Mais c'est bon ça. Grasse matinée. Grasse matinée avec un soleil pareil. Oh, Ernest, viens voir. À la cave, Ernest. Il faut te cacher à la cave. Et toi, Célestine? Il faut te cacher toi aussi. T'en fais pas, Ernest, j'ai un plan. Un plan? Célestine, tu es sûre que... T'en fais pas, je te dis. Là! Il est là! Où est Ernest? Tonton Ernest? En ville. Il a été chercher du miel. Il doit rentrer demain. Pour la dernière fois, Célestine, où est Ernest? Bon, très bien. Tu sais ce qui t'attend. Pour la dernière fois, Ernest, où est Célestine? D'accord. Tu sais ce qui t'attend. Oïs! 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 Lâchez! Tout sur le procès de l'épouvantable Ernest, acheté souris hebdo. Tout sur le scandale de l'ours et de sa complice Célestine. Là-bas, c'est lui. Où ça? Là, regardez. C'est vous. Faites-moi voir. C'est moi passer. C'est Ernest. Je vois rien. Le procès va commencer. Faites entrer l'accusé. Accusé, levez-vous et présentez-vous. Célestine. Célestine. Pouvez-vous nous dire où se trouve le dénommé Ernest? Comment ça? Vous ne voulez pas nous dire où est Célestine? Très bien. Dans ce cas, vous serez jugé deux fois. Une fois pour ce que vous avez fait, vous, et une autre fois pour ce qu'elle a fait, elle. Hein? Célestine? Mais qu'est-ce qu'elle a fait de mal, Célestine? Elle n'a rien fait du tout! Rien du tout! Rien du tout! Introduire un ours enragé chez nous, vous s'appelez ça rien du tout! Il mourrait de faim! C'est ça que vous voulez? Que les pauvres meurent de faim, gros et gras comme vous l'êtes tous?
Il fallait bien que je porte son sac plein de dents. Il était bien trop lourd pour elle. Silence! C'est vous qui voulez qu'elle soit dentiste. Asseyez-vous! C'est pas moi! Non, silence! Ernest, vous et votre complice Célestine êtes accusés d'un nombre effroyable de crimes. Cambriolage avec effraction, recel, vol de camion. Évasion, naufrage, coups et blessures. Les témoins sont innombrables. Innombrables sont les témoins. Mais plus que tout, Ernest, vous êtes accusé d'un crime abominable. Vous faites peur aux enfants. Quoi? Moi? Je fais peur aux mamans? Madame, je vous fais peur? Eh bien, je... Les enfants, je vous fais peur? Non. Non. Oui. Une souris! Là! Une souris! À présent, la parole est à la défense. Mesdames et messieurs du jury, monsieur le juge, que reproche-t-on à mon client? D'être un ours? Et fanfan. Bien. La parole est à la défense. Quoi? Célestine est coupable. Elle est non coupable. Soit. Nous pouvons donc passer au verdict. Célestine, au regard des accusations qui vous sont portées dans ce... Rien du tout! Je vais vous dire, moi, ce que vous me reprochez. Vous me reprochez de vivre avec un ours! Mais comment osez-vous? Tout ça à cause de vos maudits préjugés! Eh oui, Célestine est mon amie! Voilà ce que vous me reprochez! D'être amie avec une souris! Les souris en bas et les ours en haut, c'est ça? Et c'est comme ça que vous voulez élever vos enfants? Dans la peur des souris? Vous voulez les rendre stupides ou quoi? Silence, Célestine! Vous êtes l'accusée, pas l'avocat! Voilà donc tout ce que vous avez dans la tête! Silence, la tête pleine de préjugés! Silence! Taisez-vous ou je fais évacuer la salle! Oh! Évacuer la salle! L'audience n'est pas terminée! Revenez! Célestine, écoutez-moi bien. Personne n'en remet en question les fondements de notre société. Et surtout pas une souris. Monsieur le juge, laissez-moi parler. Plus un mot, j'ai dit! Mais monsieur le juge, écoutez-moi! Silence! Rasseyez-vous! Mais qu'est-ce que vous faites? Il faut l'aider! Oh, il s'en sortira tout seul! Bas les pattes! Ernest, retournez sur le banc des accusés! Je vous l'ordonne! Mais, monsieur le juge, vous brûlez! Ça suffit! À votre place! À votre place, j'ai dit! Je ne le répéterai plus! Quoi? Mais je ne vous permets pas! Redescendez! Redescendez de là, je vous dis! Je ne tolérerai pas plus longtemps ce genre d'attitude dans mon truc! Lâchez-moi! Lâchez-moi immédiatement! Mais qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi! Lâchez-moi! Monsieur le juge! Venez vite! Vite, venez! Il faut sortir! Tout va s'écrouler! Ça va, monsieur le juge? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez pris feu, monsieur le juge. Hein? Ernest, vous m'avez sauvé la vie. Comment vous remercier? Oh,
Il n'y a pas de quoi, hein? Bien sûr que si, il y a de quoi. Qu'est-ce qui vous ferait vraiment plaisir? Maintenant, là? Évidemment, là, maintenant! Retrouver Célestine. Et rester avec elle pour toujours. Vous êtes libre. Bah, où sont-ils tous? Ils se sont sauvés! Allez, venez! Ils m'ont abandonné. Sauf toi? Venez maintenant, venez! Dis-moi, Célestine, si on s'en sort vivant, qu'est-ce qui te ferait vraiment plaisir? Retrouver Ernest et plus jamais le quitter. Ah, d'accord. Enfin, quand même, Célestine, vouloir vivre avec un ours, c'est une drôle d'idée. Pourquoi? Vous vivez pas avec une ours, vous? Oh, si. Justement, c'est une drôle d'idée. Elle m'a sauvé la vie. Célestine ! Célestine ! Célestine ! Célestine ! Célestine ! Ernest ! Ernest ! Ernest ! Mais non, Ernest. Mais si. Mais non. Mais si. Mais non, je te dis que c'est pas possible. Et moi, je te dis que si. Mais enfin, quoi, réfléchis. On peut pas raconter notre histoire. C'est trop terrible. Tu te rends compte, tu m'as rencontré dans une poubelle et tu voulais manger. C'était pour rire. Bah moi, ça m'a pas fait rire. Non, je veux pas raconter ça. Il suffit d'arranger ça. Imagine que tu étais toute petite dans une poubelle. Un bébé abandonné, les yeux pas encore ouverts. Dessine ça, dessine-le. J'étais balayeur de rue. Je balayais du côté des feuilles mortes, tu vois. Et c'est là que j'ai entendu un petit bruit. C'était moi ? C'était toi. Et qu'est-ce que t'as fait quand tu m'as trouvé ? Un peu comme dans la réalité. J'ai sorti de cette poubelle, je t'ai glissé dans mon manteau, bien au chaud, et je t'ai amené chez moi. Et après ? Ben après, je me suis occupé de toi. Je t'ai nourri. Avec un biberon? Oui, un tout petit biberon. Et voilà comment nous nous sommes rencontrés. Après celle-là, on en racontera d'autres des histoires? Plein d'autres, Célestine. Plein d'autres. Hein? Bon.